L'opinion que la plupart des gens ont au sujet de l'éolien est positive car ils la perçoivent comme étant juste une énergie renouvelable. Oui, le vent est renouvelable, mais pas la technologie. Alors qu'en est-il réellement? Nous pouvons constater que la plupart du temps, les éoliennes sont à l'arrêt ou tournent au ralenti, car il n'y a pas assez de vent ou trop de vent. C'est l'intermittence, raison pour laquelle les éoliennes terrestres ne produisent que 23% de ce qu'elles pourraient produire et 35% pour le marin. Un des problèmes majeurs est que l'électricité ne se stocke pas et doit être consommée instantanément. Lorsque les éoliennes produisent peu ou pas d'électricité, il faut obligatoirement compenser avec des centrales thermiques. Si la France était entièrement recouverte d'éoliennes sans aucune centrale, il n'y aurait plus d'électricité les jours sans vent. La technologie de l'éolien n'est pas décarbonée, car la construction d'une éolienne met en œuvre d'énormes moyens industriels très carbonés. Il faut d'abord artificialiser les sols en déforestant, aménager des pistes, couler des centaines de tonnes de béton et de fer pour le socle, importer des métaux rares des quatre coins de la planète pour construire les pales et enfin acheminer l'électricité au réseau avec d'énormes câbles de cuivre. Le tout pour un coût exorbitant qui rend la production peu rentable. L'éolien coûte cher aux contribuables car il est financé à 55% par l'État. C'est une véritable manne pour les promoteurs, on peut parler de lobby. Les éoliennes altèrent les sites remarquables, transforment les paysages, créent des nuisances pour les riverains avec le bruit, les lumières nocturnes et les ombres. Elles perturbent les animaux, la faune et tuent les oiseaux. Les éoliennes sont destructibles en cas d'orage et de tempête. Leur démantèlement pose l'énorme problème des pales qui ne se recyclent pas mais se stockent. Alors peut-on croire un instant que l'éolien puisse résoudre le problème du mix électrique ?